Ce dimanche 2 avril, Gérald Darmanin était l'invité du grand rendez-vous sur CNews. Interrogé sur la polémique des policiers de la BRAVEM qui ont été invités dans TPMP, le ministre de l'Intérieur a annoncé que Laure Nouniez, préfet de police de Paris, serait lundi sur le plateau de Cyril Hanouna. C'est la polémique du week-end. Vendredi 31 mars, Cyril Hanouna a reçu sur le plateau de Touche pas à mon poste quatre hommes encagoulés se présentant comme des membres de la brigade de répression des actions violentes motorisées, BRAVEM, afin d'évoquer les violences policières au cours des récentes manifestations contre la réforme des retraites. Une séquence à laquelle a réagi le syndicat des commissaires de la police nationale, SCPN, dans un tweet affirmant que ces quatre invités, qui sont apparus encagoulés, ne sont pas plus des policiers et que l'équipe de TPMP n'a pas procédé aux vérifications nécessaires. Toujours sur Twitter, le préfet de police de Paris Laure Nouniez a quant à lui annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine de la procureure de la République de Paris. Gérald Darmanin réagit à la polémique des policiers de la BRAVEM dans TPMP ce dimanche 2 avril. Gérald Darmanin, qui était l'invité du grand rendez-vous de CNews, est revenu sur cette affaire. Les policiers et gendarmes n'ont pas à se présenter en cagoule à la télévision. Ils ont un devoir de réserve et il faut que l'administration les autorise à parler. Ce que nous faisons d'ailleurs. Point. Ceux qui veulent inviter des policiers et gendarmes à parler, évidemment le ministère de l'Intérieur leur donne une autorisation pour qu'ils puissent parler de leur métier, a-t-il d'abord assuré. Et de déclarer au sujet de l'identité des quatre hommes invités dans Touche pas à mon poste, on n'est pas tout à fait certain qu'il s'agisse de policiers et encore moins de policiers de la BRAVEM. Il y a au moins un policier, qui était dans cette émission, dont le pseudonyme serait Cédric Vladimir, qui a été révoqué de la police nationale en décembre 2022 pour de multiples faits contraires à la déontologie. Le ministre de l'Intérieur annonce la venue du préfet de police chez Cyril Hanouna à la suite de son échange avec la journaliste Sonia Mabrouk. Gérald Darmanin a précisé que le préfet de police de Paris Laure Nouniez a prévu de se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna ce lundi 3 avril. Je trouve ça bien que monsieur Hanouna invite des policiers et des gendarmes, donc j'ai proposé que monsieur le préfet de police, qui est le chef des policiers à Paris et notamment de la BRAVEM, puisse être invité sur le plateau de monsieur Hanouna lundi. Et je crois qu'il y sera, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Samedi 1er avril, la chaîne C8 a réagi à la polémique en affirmant avoir reçu quatre policiers. Sur les quatre, un a été révoqué au mois de décembre. Il a été précisé à l'antenne que tous ne faisaient pas partie de la BRAVEM, a fait savoir la chaîne à l'AFP. À lire aussi policiers de la BRAVEM dans TPMP, la justice saisie, C8 réagit à la polémique.